Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur Red Dead Redemption. Donc, la dernière fois, nous avons dû arrêter, enfin, protéger puis arrêter un train avec deux Santa, du coup, un Mexicain, un général mexicain, du coup, de l'armée de Mexique, enfin, du gouvernement. Et du coup, on va continuer à aller voir ce qu'il veut, du coup. Tac. Voyons voir. Par ce temps magnifique, la boisson du diable. Oula, je le sens pas. Ok, la manette qui se déconnecte toute seule. What the fuck? Là, attendez, il y a un truc que je comprends pas. J'ai ma manette qui se déconnecte toute seule. Va savoir pourquoi. Bref, continuez. Cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, 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 mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Pobrecito, sin vergüenza. ¿Qué diablos este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho. Drunk, worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that were natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God. They turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces. They would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que sera, sera. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used. If you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Oso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? Et il continue à se faire avoiner, lui. Ça me fume. Bon, allez. Allez, on est parti. Me dis pas qu'il va être lent. On a des hommes à aider, mais lui, il y va à son rythme, quoi. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men.
Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. In any case, you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance. Pas à cette vitesse-là qu'on va pouvoir aller aider les mecs en fait, hein. Ça je comprends. Ok, là on va déjà un peu plus vite, c'est plus sympa. Putain, mais il colle au train quand même, hein. Nickel, on est arrivé. Allez, on va faire mumuse un petit peu. Je brûle, c'est pas vrai. Mais quoi? Mais la mort con quoi. Tout simplement parce que j'ai voulu me planquer derrière des caisses. J'ai pas réussi à m'en enlever. Et les caisses ont pris feu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a explosé un truc. Yes, super. Bon, j'espère qu'on recommence ici, ouais. Nickel. Je me mets un peu à l'abri parce que j'ai besoin de régène sans prendre trop de dégâts. Allez, faut que je change d'arme. Putain, j'arrive pas à trouver de planque, c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant quand tu trouves pas de planque. Toi, t'as cru vraiment que t'allais t'enfuir. Régène, 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 régène.
pas en te planquant derrière un tourneau que ça va changer quelque chose. Voilà, je lui ai fait la peau. Voilà. Ça, c'est fait. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Jan, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos. Buen trabajo. Okay. Capitán de Santa. You heard the captain. The fire bottles are over there. Récupérer des bouteilles incendiaires. Où ça? Wow, wow, wow. Elles sont là. Alors, les bouteilles incendiaires. Merde, c'était pas celle-là. Si, c'était celle-là, ok. Bon, ça s'est fait au moins. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Bah, on va pas faire l'épisode plus long pour cet épisode-là, malheureusement. Bon, j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs parce que je sais que certains ne regarderont pas s'ils sont trop longs. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit partage, le petit abonnement et le petit commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.